Hi. Vous êtes en train d'entendre la bouilloire. Je pensais faire un effort vestimentaire pour filmer, mais finalement, autant rester naturel et mettre un gros peignoir parce que franchement, j'ai super froid. J'ai pas envie de mettre le chauffage à la maison. Et puis voilà, en fait, j'ai pris ce nouveau peignoir chez Action à 9 euros seulement parce que Marley aime bien les détruire. Donc 9 balles. Il fait l'affaire, hein. Les petits chaussons isotonnerres. J'ai quand même mis un petit jean avec une petite chemise et une espèce de t-shirt hyper épais de sport, vous savez, pour avoir chaud parce que j'ai froid. Et même au travail, j'ai froid. Donc, comme ça, je mettrai ça sous ma chemise. Et là, clairement, j'ai mis une petite surchemise et je l'ai mis en dessous. Comme ça, je suis bien au chaud. Une petite écharpe de chez Action. En fait, j'achète pas mal de trucs chez Action. J'ai acheté une petite tenue haut et bas, jogging, plus un espèce une grosse veste hyper douillette chez Action. Et franchement, pour 20 euros, j'ai une tenue complète pour traîner à la maison, pour sortir le chien. Voilà. J'aime faire un petit ricoré au lait. J'étais en train d'imprimer des petites photos, en fait, avec ma petite imprimante Péripage. Il faut que je vous la montre. Il faut que je vous montre ça. Je me suis fait un deuxième carnet avec quelques photos, façon instant de vie, avec des trucs que j'aime bien à l'intérieur. Donc, on va prendre la bouilloire et on va se faire un ricoré. Donc ça, c'est un petit carnet que j'ai pris chez Action. Vous savez, les carnets de scratchbooking, etc. Enfin, c'était vraiment pas cher et j'ai commencé à mettre des petites photos à l'intérieur grâce à cette petite imprimante Péripage que j'ai trouvée sur Amazon à 40 euros. En fait, c'est une imprimante thermique, vous avez un petit rouleau à l'intérieur et ça vous fait que des photos en noir et blanc. Et je trouve ça super sympa parce que déjà ça coûte rien, c'est des rouleaux de TPE, donc vous trouvez ça à 2-3 euros sur Amazon ou même dans le commerce. Et comparé au Polaroid, qui franchement les photos sont à plus d'un euro et quelques, et bah, c'est pas mal du tout. Donc je me suis fait mes petites photos et j'ai pris la version HD de l'imprimante, c'est-à-dire que la qualité est un peu meilleure. Ah, j'ai un appel. Oh, à toutes! Ciao. Ciao, ciao! Donc, je colle mes petites photos à l'intérieur. J'ai commencé à faire ça hier soir, après le travail. Donc, j'aime bien en fait me créer des petits souvenirs. Vous voyez, les pages sont noires, c'est super sympa. Et je vais pouvoir me faire des petits collages. Je vous montrerai l'application, mais j'ai pas mal de choix, même pour faire des textes, des petites bannières, etc. Puis j'ai fait des petites photos aujourd'hui avec Marley. Je me suis pas filmé. Mais j'ai pris plein de photos et j'aime bien me créer des souvenirs dans des carnets comme ça. Tiens, Marley est parti sur le canapé. Il faudra que je vous montre toute la déco de Noël. J'aime bien dire déco de Noël. Mais les sapins est là. Donc voilà, pas mal de petits trucs à faire. Je vais essayer de filmer un petit peu au fur et à mesure, de voir ce que je peux faire. J'adore ce petit sapin de chez Ikea aussi. J'ai agrémenté avec quelques petites décorations. Et mon petit ricoré. Merry Christmas, baby. Reindeer's coming out to play. Santa Claus is packing the presents, making sure you've been behaving okay. Merry Christmas, honey. The snowman's dusting off his hat. On the show for everybody to give them a smile that lasts another year. There's something that happens when sleigh bells are ringing, when December ends, when the children are singing. Yeah. Merry Christmas, baby. Yeah.
Merry Christmas, baby. The snow is laying 2 feet deep. Now wish upon a falling star, so all your secret dreams can come true. There's something that happens when sleigh bells are ringing. I can't wait for Christmas. Ah, c'est le show de Noël de Maria. Purée, je suis trop train de la regarder sur Apple TV+, et je suis trop trop heureux. Arrêter de dire ça au boulot à chaque fois entre les clients, j'étais là dès que les gens partaient en fait. Merry Christmas, Happy New Year. Bref, laissez-moi rire. Oh là là, les cheveux, ça va pas. Hier, j'ai fait un soin à l'huile de ricin et j'ai fait un masque. Je vous raconte vraiment ma vie, hein, mais bon, en même temps, si vous me regardez, c'est que vous avez envie que je vous parle, donc bon. Et bref, je me suis fait un soin et ça m'a fait du bien, j'ai retrouvé mes cheveux en forme. Surtout, en fait, je les attache tout le temps et j'ai une collègue qui m'a dit aujourd'hui « Oh, mais pourquoi tu laisses pas ta mèche devant ?» Enfin, l'air de dire pas attachée, donc je me suis dit « Peut-être que je vais les détacher un petit peu comme j'ai du volume. » Putain, ma caméra pèse 2 tonnes, j'ai un micro dessus, j'ai investi. Franchement, j'ai investi. J'ai investi pour que ce soit mieux et pour que vous m'entendiez mieux aussi. Et ça a été une bonne journée, fatigante. En même temps, je suis dans le commerce, c'est les fêtes, donc forcément le rythme est intensif, sachant que j'ai eu 9 jours de douleur assez intense. Donc là, je m'en remets tout doucement, mais avec la fatigue au travail, je dors très mal aussi, donc j'accumule un peu de fatigue. Donc y a des... fin de journée, c'était fatigant en fait. Je sentais que j'étais un peu au ralenti, et je garde le sourire, etc. Mais je suis rentré, j'étais HS et... ça fait une heure que je commade dans le canapé, pyjama, robe de chambre, la vie quoi en fait, le pyjama affreux, mais je m'en fous, et les chaussons isotonaires, la base, et je sais pas du tout à quoi va ressembler ce vlog, j'imagine qu'il va être en deux parties, parce qu'en fait j'ai pas le temps de vous faire un très grand vlog, et j'essaye de vous filmer un peu la déco, de vous partager ce qui me passe par la tête, c'est vraiment des plans alambiqués, tordus, mal foutus, mais... D'un côté, j'aime bien quand même ce genre de vidéo maintenant et j'ai envie de me remettre à produire un peu plus, quitte à ce que les vlogs soient un peu plus courts et en deux parties. Mais parce que c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Et y a un côté spontané, en fait. Je renie pas ce que je faisais avant, qui était très carré, très, très esthétique, mais j'aime bien ces petits vlogs un peu à la Sandrea, vous voyez. Naturel, je prends la caméra, je vous parle quand j'en ai envie et je trouve ça plus sympa que de trop scénariser, que de penser à dire ah, il faut que je parle de ça, il m'est arrivé ci, il faut que je repense à ça, etc. Même si, bon, clairement, je pourrais faire un effort sur les plans et vous poser quelque part. Là, je suis en train de tenir la caméra à bout de bras, mais bref. Donc, bonne journée. En ce moment, ça va. Voilà, juste une petite fatigue, mais c'est logique. Je me dis que j'ai encore demain parce que là, au moment où je tourne ce segment de vlog, nous sommes vendredi. J'ai l'impression de ne pas voir le temps défiler, c'est-à-dire que Noël est déjà presque là en fait, et ça file à une vitesse, c'est bizarre, j'aime tellement en fait écouter des chants de Noël, regarder plein de vidéos sur YouTube, mettre des films de Noël, j'en ai regardé un tas, hein, mais c'est pas la même émotion, énergie cette année je trouve. J'aime tellement quand l'appartement il est décoré, toutes ces lumières tamisées, ce côté très vintage et rétro chez moi. Et là, ça file à une vitesse, ça me glisse entre les doigts. Je sais pas pour vous, hein, mais
Noël va bien, vraiment bien me manquer en fait. Et voilà quoi, c'est déjà une pointe de nostalgie. Mais bon, c'est comme ça. Je laisserai quelques décos quand même, je pense, ou quelques guirlandes LED. Je pense que je vais laisser en fait mon beau sapin en LED que j'avais acheté chez Action 17 euros. Excusez-moi, je vais couper mon téléphone. Et puis voilà. J'ai mes cadeaux, oui, il fallait que je vous parle de mes cadeaux aussi. En fait, je vous montrerai plus en détail par la suite. Mais je me suis pris encore une cafetière, ne m'en voulez pas. Mais une cafetière avec un broyeur intégré, mais Chemex Slow Coffee. Et oh, il faut que je vous la montre. Bah, je pense que je vais vous mettre des petits segments de vidéos que j'avais faites vraiment avec mon iPhone. Hein. Donc vous attendez pas à un truc carré, mais j'ai essayé de faire au plus vite. Oh, cette cafetière, c'est une pépite. Je suis content de pouvoir sélectionner aussi mes petits cafés en grains. Et c'est l'odeur en fait qui me plaît. C'est ça que j'aime bien quand je fais ma routine café, c'est d'avoir l'odeur du café. Je vais essayer de pas trop parler pendant 107 ans. Et l'autre cadeau que je me suis pris aussi, c'est mon Dyson Airwrap. On va le dire avec l'accent Airwrap, Airwrap, vous savez, avec les petits embouts qui se clipsent dessus. Alors oui, ça coûte une blinde, je sais, 500 euros, c'est énorme. Vous allez me dire, pour un sèche-cheveux, sachant que tu es un homme, tu n'as pas 40 cm de longueur de cheveux, je sais. Mais j'assume, je préfère mettre le prix dans un appareil que je vais garder des années que d'avoir trois sèche-cheveux qui ont tous pété les uns au fur et à mesure. Lui au moins ne me brûle pas les cheveux et ça vraiment c'est top et je sens que j'ai des cheveux beaucoup plus forts et en fait je l'aime bien pour les brosses coiffantes vous savez alors vous allez me dire oui mais tu pourrais très bien prendre une brosse Babyliss à 50 balles non Dyson j'adore Dyson et j'ai des produits Dyson à la maison c'est increvable c'est hyper costaud franchement je le regrette pas donc je suis content je suis très content avec mon Dyson Airwrap. Ne vous moquez pas de moi, j'assume totalement et j'adore l'utiliser. Et juste pour me sécher les cheveux en fait, et je l'utilise tous les jours, c'est ultra pratique. Donc j'ai déballé tous mes cadeaux de Noël. Mais on va dire que je suis adulte. Et puis voilà. Je vais regarder ma petite série, je suis à fond dans Ici tout commence sur la une tous les soirs. Je regarde depuis que ça a commencé. J'aime bien. Franchement, donc je vais m'y mettre. Marley est en train de faire dodo et c'est bizarre qu'il soit pas venu. Et j'ai plus de batterie, donc je te reprends un petit peu plus tard parce que là, ça clignote et elle va bientôt s'éteindre. Je vous dis à plus tard et sinon à la prochaine.